Alors nous sommes maintenant devant le satellite Métaurs C. Donc ce satellite a été construit par Airbus et donc il est le troisième d'une série de trois satellites identiques qui sont dédiés à la météorologie. Donc là il est dans sa phase finale de préparation pour un lancement qui aura lieu en septembre depuis Kourou en Guyane. Donc comme vous le voyez, ce satellite est composé de plusieurs parties. La partie qui est juste derrière nous en fait, qui est dorée, c'est la partie qu'on appelle la charge utile, qui comprend les instruments qui vont être donc amenés à faire des mesures de l'atmosphère terrestre ainsi que de la surface terrestre. Des mesures qui vont être utilisées pour faire des prévisions météorologiques de façon à améliorer en fait, les prévisions dont on dispose aujourd'hui. Il faut savoir déjà qu'avec les deux premiers satellites Métaurs, on a beaucoup amélioré la fiabilité des prévisions météo à court terme, puisqu'on est passé avec la même fiabilité de 4 jours à 5 jours. Donc ça c'est la mission principale, on va dire, du satellite Métaurs. Il y a une deuxième mission, qui est une mission de plus long terme, qui est la mission de surveillance du climat. Alors le climat est quelque chose qui évolue de manière beaucoup plus lente que la météo, évidemment. Et donc c'est pour cela qu'il nous faut des satellites qui fassent des mesures sur des durées très longues. Et avec 3 satellites Métaurs, on aura la chance d'avoir des mesures identiques sur plus de 15 ans.